Deutschland nicht abgeben kann. Ein bisschen höher, ein bisschen höher.
football. C'est un match de football, mais vraiment on ne s'y attendait pas. Parce que nous sommes venus pour gagner le match, mais peut-être la dame chance était pour eux aujourd'hui. C'est comme ça qu'on a encaissé 3 buts. Il y a notre compartiment offensif qui n'a pas tourné. Parce que si on arrivait à marquer 1 but ou 2 buts, je crois qu'on ne pouvait pas encaisser ces 3 buts. Parce que pour bien défendre, il faut d'abord chercher à marquer. Mais notre compartiment offensif n'a pas bien tourné. C'est ce qui a fait que l'équipe de Renaissance nous a profité. Mais vraiment, pour moi, le FC Renaissance a fait un beau match. Ils ont vraiment joué, ils ont montré qu'ils se sont vraiment préparés. Et ce que j'ai aimé, c'est vraiment surtout vous venez de voir un match de niveau vraiment de la Ligue de foot avec une grande intensité. Ça, j'ai aimé. Je suis satisfait, mais il y a beaucoup à revoir. Au niveau du travail, malgré on a remporté 3-0, bon, il y a eu aussi beaucoup de déchets au niveau, surtout au niveau technique, que ce soit tactique. C'était un peu mauvais, il y a beaucoup à corriger là-dessus. Parce que si vous avez bien regardé les matchs, il y a eu des moments forts pour Renaissance et puis il y a eu aussi des moments faibles. Donc, il y a beaucoup à corriger là-dessus. Bon, c'est bien pour la suite des compétitions. Comme l'autre fois, j'avais dit au niveau de la conférence de presse avant match, j'avais dit on est toujours à la recherche de l'efficacité. Tu vois, les premiers matchs, on a joué un peu timidement. Aujourd'hui, marquer 3 buts face à Nyuki, ce n'est pas facile. Ça nous a ramené vraiment beaucoup de confiance pour voir la suite de l'avenir des compétitions.